Salut les amis. Bon alors, on est dimanche matin, hein, je m'apprête à partir à ma rando. Alors franchement, cette rando-là, croyez-moi que cette année, je vais pas la louper. C'est la fameuse rando des abeilles Hauteville, et croyez-moi que cette année, il n'y aura pas d'erreur de fléchage. Donc cette année, c'est parti, hein, je m'apprête à partir, hein, là, il est bientôt l'heure. J'ai essayé de m'y rendre pour 7h, 7h15 à peu près, hein, voilà. Mais cette année, croyez-moi que je vais prendre ma revanche, on va dire, et ça va le faire, pas comme l'an dernier. Allez, on se retrouve là-bas. À tout à l'heure, les amis. Comprenu, hein, je suis bien arrivé, il n'y avait pas de soucis. Franchement, bon, un peu de brouillard sur la route, ça, je m'en doutais un peu, hein, je l'avais vu, mais voilà. Donc voilà, je suis bien arrivé sur la rando. J'ai mon petit bracelet, hein, tout va bien, nickel. Comme à chaque rando, petit café, hein, avant de démarrer, hein, ça, c'est impossible de faire ça, on va dire. Donc voilà, bon, bah, on commence à connaître un petit peu, hein, on voyait un peu, hein, le café. C'est un peu partout pareil, hein, sur le même système. Hein. Des petites salles bien sympas. Bon voilà, il n'y a pas encore bien grand monde, hein. Il y a tout, il y a pas mal de brouillard, comme je vous ai dit. On a un peu la machine, hein, avant de partir. Profitez-en tant qu'elle est propre, je pense pas qu'elle va être bien sale aujourd'hui, mais bon. On verra. Voilà. Hein. C'est prêt. On est prêt à partir là. J'ai deux collègues qui sont avec moi. Hein. La team de la dernière fois. Ouais les amis, c'est parti. Début de la rando, tranquille, hein. On se route. Je suis parti avec deux collègues de la team, les éruptives gaulois. Ça va le faire, franchement. Bon, on a un peu de brouillard, ça c'est dommage. Un peu froid, 5 degrés pour l'instant. Mais ça va le faire. Bon allez, on verra comment ça se passe en espérant que ta GoPro tienne bon. C'est toi aussi, faut que ça fonctionne. On y va. C'est sympa ce petit passage avec des briques. Oh, il y en a devant longtemps, les freins Win. Ah, regardez-moi ça, c'est bon, c'est pour tester la fourche, ça tombe bien. Je crois que c'est bien sympa ce petit rando. Ça n'a rien à voir avec l'an dernier. C'est super. Ça roule, hein, pas de soucis. Bon, ça pique un peu niveau température, un peu de mal à m'y mettre. Quand j'ai froid, c'est que la gorge, là, ça picote un petit peu. Bon, pas de surprise, hein. Même genre de chemin que l'an dernier, bien sympa. Franchement, c'est bien. De belles petites côtes déjà dès le début. On est à 5 km 17. C'est bien, franchement, c'est bien. C'est cool. La fourche nickel, enfin bref, je crois que ça va être impeccable. Ouais, merci, c'est bon. Allez les amis, la piscine, c'est parti. C'est bon ça. Oh, j'adore. C'est bon votre transmission ça. Aïe aïe aïe.
m'amuser. Tiens, quand je suis dans les grands pignons derrière, quand ça gratte, je vais être mal réglé, j'aurai un petit problème. Pour un méchant, mais c'est pas très agréable à l'oreille. Tant pis, faire avec. Franchement, bien sympa la rando, comme l'an dernier. Super. Ça vous donne une bonne petite vidéo, ça c'est sûr. Allez, on continue. Comme d'hab, des bons petits passages, là. Regardez, c'est sympa ici. Un petit sous-bois, là. Ça fait une espèce de tunnel. C'est cool. Bon, j'espère que le cadrage est bon. J'espère que le petit bout de tissu que j'ai mis comme coupe-vent fera l'affaire. Parce que j'ai pas mis la mousse. Trop de problèmes de surchauffe avec la GoPro. En fait, le dernier rando, c'était pas un problème de batterie. C'était bien un problème de surchauffe. Alors, un guidon large, des fois, c'est pas top. Mais bon, ça passe, on y arrive. C'est cool. Allez, on continue. Bientôt le ravito, les amis. Bientôt, c'est bon, ça. Bon, voilà, les amis, je suis arrivé au niveau du ravito. Je filme ce que je peux, parce que la batterie, je pense que là, elle déconne. Donc voilà un petit peu, vous connaissez. Bon voilà les amis, je suis obligé de finir les derniers rushs avec le téléphone portable parce que la batterie de la GoPro bien sûr m'a lâché. Apparemment ma batterie elle est morte, hein. Niveau charge elle tient plus. Donc je suis bon pour en acheter une. Sinon bah, la rando en elle-même ça se passe bien, on est à peu près à 45 km, hein, ça se passe super bien, il n'y a pas à dire. Au niveau du ravito, pas de problème, hein, vous voyez, hein, ça se passe bien. On est à 45 km à peu près. Dis-moi, tu me laisses. Voilà, hein, bon, c'est la fin, ça commence à être dur pour la jambe, on va dire, un peu pour tout le monde, hein, surtout que là, il y a encore quelques belles côtes, on va dire. Donc voilà, donc je vous finis les quelques rushs avec le téléphone portable, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors la vidéo sera pas super longue, hein. Malheureusement la GoPro m'a lâché à 18-20 km du parcours, sur 55 ça fait une sacrée partie sans rush. Mais bon, c'est comme ça, maintenant je sais ce que là, je sais qu'il y a un problème de batterie, on la changera, puis voilà. Donc voilà les amis, allez, on se retrouve à la salle tout à l'heure. Bon, voilà les amis, je suis bien rentré, hein, ça s'est bien passé, plus de kilomètres que prévu, ça, il faut s'y attendre, comme l'an dernier. Toujours aussi dur, on dira, on n'oublie pas à dire. Je suis cuit, je suis mort, ça doit voir ma tête. Donc voilà, j'étais parti sur 55 km, bien sûr, j'ai réussi à me planter sur la fin, hein. L'an dernier c'était au tout début, là je l'ai fait à l'envers, je l'ai fait à la fin, donc je me retrouve avec 65 km au lieu de 55, hein. Bon, rien de bien méchant, ça fait chier, quoi, comme d'hab. Bon, bien arrivé, hein, le cocoy est là-bas, je sais pas si vous le voyez, hein, mais bref, le VTT en lui-même, bah, il est là, je sais pas si vous le voyez bien, enfin bref. Bon bah comme je vous l'ai dit, hein, la GoPro batterie elle est morte, hein, il va falloir que je la change, j'ai pas à dire. Sinon bah super rando, hein, comme d'hab, hein, moi le petit problème que je trouve c'est que le fléchage, je sais pas, je le trouve pas, par endroit il y a des petits trucs qui vont pas. Je sais pas pourquoi, mais bon c'est comme ça, ou alors c'est moi, j'en sais rien, mais par rapport aux autres rando, j'ai un petit problème avec le fléchage. Donc voilà les amis, bon j'espère que la vidéo que je vais vous sortir vous aura plu. Je ne sais pas encore à l'heure qu'il est, qu'est-ce que ça donnera, on verra bien par rapport à ce que j'ai en rush. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, hein, comme vous êtes de plus en plus. Et sur ce, à très bientôt. Allez, salut les amis, merci.